Ah bah un coup, hein, t'as entendu quand même. Faut jamais se plaindre. On laisse se concentrer et tout, ça nous promet un beau match. C'est vrai. Et un match peut-être plus intéressant globalement que... Pas beaucoup plus intéressant, mais... Comment dire? Compétitif? Oui, voilà, c'est ça, genre... Un niveau plus... Autre chose que Dr Mario, King Kiro, le bourré... Ouais, voilà, disons que la VOD sera plus intéressante à regarder. Ouais. Je pense. Parce que là c'était complètement un match de bar. Oui, oui, bon, bien sûr, mais après c'était... Je suis pas sûr que du coup on soit toujours en BO3 par contre. Non, on est plus en BO3 je pense. Parce qu'on a eu ça avant, mais je suis pas sûr qu'on ait forcément le temps et tout. Après il nous reste quand même 2 heures et tout, donc c'est en vrai, il y aurait moyen. D'accord, entre les petites ouvertures et tout, magnifique, très bien. Nair into Nair into Rare Packer, bien évidemment. Voilà, il les connaît bien Nico. Et... Que ce soit sur Qualité Nature, IQ, il connaît ce genre de choses. Exactement. Et attention, voilà. Ça revient quand même, attention. Mais là, le problème, c'est que voilà, ça, il faut passer sur Mistra, il faut trouver des ouvertures et tout. Tant qu'il n'arrivera pas à trouver d'ouverture, ça va être hyper compliqué pour Aku. Même c'est qu'on est face à un adversaire qui connaît Pierre Mitra. Ah mais bien sûr. Très très bien les personnages. Voilà, c'est ça, mais on trouve les petites ouvertures, on trouve le petit smash et tout. Excellent smash, vraiment c'est un super move ce truc là. Mais c'est peut-être un peu greedy déjà de sortir Pierre. Hein. Bon après, Pierre c'est pratique parce que t'as un poids plus lourd. Ouais, mais même à 59%, je pense qu'on peut facilement tuer avec ça. Ouais, on va voir. Non, toujours pas. Mais là 80% ça commence à... Là 95% c'est bon, c'est qui de sang. Combien 55% dernière into the smash Ouais, mais même si Hop là, F-tit. Voilà, F-tit, excellente cette F-tit et tout, taille du machin, un camion le truc. T'es mal à la taille du F-tit. Mais je te jure, hein, vraiment, ils ont fait, tiens, si on mettait des... Oh là, le Forsight. Magnifique Forsight et tout. Mais derrière, on trouve quand même Nico qui trouve un petit back throw, qui du coup permet d'égaliser enfin, et malgré quand même une excellente ouverture qu'il nous avait promis, Nico. Et bah derrière. La balle est au corps ou c'est de nouveau au centre hein. Ouais, exactement, et ça m'a l'air peut-être plus compliqué là, du coup, pour Aku peut-être. Dans une game qui commence à bien se lancer, c'est clair que là, petit commence à devenir beaucoup plus chaud. Ouais, oh là là. Mais après, il y a vraiment une question de momentum et tout. Là, tant qu'il a pas. Il a pas tout touché. Il a pas bien testé l'eau du bain et tout. Là, c'est bon. On cherche voilà. Encore. Il cherche déjà les donaires et tout pour Spike et tout, magnifiquement déplacé. Avec petit landing et tout, oh là là, c'est magnifique. C'est un personnage qu'on va aller chercher Nico Kirikozo qui est en train de revenir. Oh là là, c'est bien, tu vois, tu fais le B pour prendre le neutral et tout ça, genre. De toute façon, une pyramide. Oui, c'est ça. Bah, c'est vraiment une prise de. Un truc de. Faut être partout. Faut être partout, tu veux. De toute façon, tu peux être partout, tu peux tout faire. C'est le but de ton personnage, hein. C'est vraiment d'agresser de où est-ce que tu peux être, où est-ce que tu vas être et où est-ce que tu es actuellement. Bah, ça, je couvre. Et surtout, où est-ce que tu peux être en optimisant le plus possible tes mouvements et ton lag pour toujours être là. Toujours exactement. Sur ton adversaire. Et ouais, et c'est à peu près ça le truc, le gameplay de Pierre Mistra. Après, pas l'Utena, c'est pas forcément quelque chose de. En soi trop différent, mais c'est vraiment un jeu aérien, c'est pas pareil, mais c'est... C'est très aérien based quoi. Oui, voilà. Ça, oh la vache. C'était une hard read ça, si ça fonctionnait. Non, mais... Ouf. Voilà, excellent DI et tout, parce que oui, ça envoie en diagonale le back air, et là... Il y a peu de choses près, il y avait vraiment moyen de le tuer et tout là-dessus. Il fallait quand même à 150%. Si tu sais tu mettais fin à la fin. Exactement, tu et ça a l'air... Tu mettais fin à la fin de Nico. Oui, c'est ça, et surtout qu'il est... Il a un peu de temps de mettre fin à la stock de Nico, parce que 160%, 177%, il est temps, il faut tuer. On revient à peu près even et tout, un léger retard de pourcentage, mais ça se rattrape vite. Ça se rattrape. On est sur Mistra et tout, le truc, ça les combos à bas pourcent, vraiment, c'est un juggle gratuit. Combos à bas pourcent, puis ensuite on passe sur Pira. On passe sur Pira pour commencer à chercher des choses plus intéressantes à vos pourcents. Attention, pas trop essayer de punir le B avant qu'il ait tiré son projectile et tout, c'est toujours particulier parce que bah derrière c'est globalement, il sort très vite en fait, c'est ça. C'est ça, et à n'importe quel moment, bah tu essaies de remonter dessus et en fait tu te prends le pro jouet et c'est parti. Et voilà, c'est ça, tu peux te retrouver en tech chase derrière et tout, genre c'est clairement pas un bon plan. Oh là là. Oh là, mais vraiment la masse. Ça c'est toujours un plaisir, c'est vraiment le principe de l'ultimate où genre t'as les smash où le truc recule pour faire un smash et bam bah du coup bah il a pas du tout touché le neutral air et tout, c'est grâce de ça. C'est juste ça, c'est juste il était à parfaite range pour aller chercher ce smash. Et en attendant on trouve Nico et tout qui commence à être hyper là, vraiment là ça peut vraiment jouer à très très peu de choses et vraiment ouais
Petit upsell et tout, ça a bientôt tué, on est quand même à 115%. Hop voilà. Et bam. Le EPR qui vient sceller la stock. Voilà, en descente de plateforme et tout, EPR très bien trouvé pour punir le B qui arrivait pile poil dessus. Vraiment, il fallait bien le trouver celui-là. Ah, il fallait super bien le trouver et ça a été fait. Exactement. Après, ça couvre quand même très bien, mais voilà, il l'a pas démérité. Ouais, exactement. Et en vrai, ça passait à très peu de choses. Et c'est sa première game pour Haku. Et ils ont enchaîné instantanément, on perd pas de temps. Non, ils ont pas le temps, ils sont concentrés, ils sont chauds. Tant qu'ils sont bouillants, ils jouent. Faut battre le feu tant qu'il est chaud, de toute façon. Le fer plutôt. Battre le fer, on est. Oui, c'est battre le feu. Tu fais ce que tu veux, mon ref, mais. Je vais vous mettre des coups de pied dans le feu, globalement. Ça marche pas super bien. Enfin, bref, bon. Vraiment, c'est un match vraiment très. Genre un peu avantage, genre tant que t'as pas trouvé d'avantage et tout, tu vas pas faire grand chose, mais dès que t'en trouves un. Dès que t'as une légère phase d'avantage, ça peut partir très très vite entre les successions de nerfs de Paiutena et le jeu à bas pourcent de Pyramitra. Ça, tu cales les bonnes baffes et tout, c'est ça qui est ce qu'il faut jouer. C'est bien, on esquive, on va pas tenter de se faire shield break et tout, ce sera un peu dommage. C'est un peu dommage, au-delà de se faire shield break, simplement prendre les dégâts. Hein, ouais, clairement. De toute façon, tu peux pas vraiment punir ça, le truc est si loin, donc à moins que tu l'aies vraiment vu à des kilomètres, bah... Ouais, non mais si, c'est sûr, si tu fais ça sur un shield et tout, mais derrière, oui. Ouais, ça touche aussi loin, c'est ce que je veux dire, genre... Touche de loin et... Et ça fait mal, quoi. Ah ouais, c'était de la reine. Oui, bien sûr. Après, il faut avoir de la reine, c'est ça. C'est toujours un peu le problème et tout, mais... Attention, voilà. Non mais là, c'était vraiment main game et tout, c'était qui allait lâcher le bouclier, qui allait faire ça, non, bam. Il a fait un petit truc. Il a juste marché vers lui, il a besoin, vraiment. Ouais. Bon, bah, je ne dis pas. Papa, et bam, Nico, voilà, c'est. Le problème de Nico, c'est sous la pression, il peut commettre tous les petites erreurs et tout de. C'est fort dommage, parce que c'est un très bon joueur overall, mais. Ouais, c'est ça. Bah, après, on sait qu'il. Ouais, ça nous a un peu montré ça la dernière fois et tout. Même s'il gère bien la pression, globalement, des fois, il peut se faire prendre de court et tout, c'est assez dommage là-dessus. En tout cas, on a trouvé un petit neutre à l'air et tout pour bien trouver pour tuer. C'est rare de voir tuer quelque chose avec ça, mais on est sur SBF. SBF qui est des blast zones, qui a des blast zones extrêmement courtes. Ouais, c'est ça, bah, les blast zones de DF sur le dessus et les blast zones de Battlefield sur le côté. Donc, court et court. Oh là là, Foresight et tout, vraiment une saloperie ce truc là. Ah, le Foresight vraiment. Exactement. C'est très 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 dur de gérer ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas simple du tout. Parce que c'est un truc, tu t'y attends pas forcément, c'est un peu comme un. Ouais, c'est ça, c'est compte de Bayonetta, mais ouais. Attention, voilà. C'est différent parce que compte de Bayonetta, bah le lag quoi. Bon, après de l'autre côté, on va pas forcément se plaindre, hein. C'est pas Utena aussi de l'autre côté. On a des choses à proposer aussi. Mais... Oui, voilà, c'est ça. C'est pas aussi. C'est un peu comparable, mais c'est pas pareil. De toute façon, depuis le début de la soirée, globalement, sur les différents passants, on a tous fait passer sur Elytra pour le truc le plus craqué de la planète. Ah ouais, oh là. Ses couvertures avec la F-Tilt et tout pour couvrir la roll. Il va peut-être. Oh là, il a encore roll une fois, mais cette fois, c'est la F-Tilt qui va conclure. Entre le F-Tilt et le F-Tilt qui fait super bien au ledge, c'est. Bah c'est, ça brille vraiment ledge trap Pyramitra et tout, c'est, ça veut pas être corner, ça veut pas se faire corner dans le ledge parce que derrière ça prend super sortir et tout, c'est dommage. Mais par contre sur le ledge genre, ça brille quoi, c'est fort ce truc là. Très 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 fort. Ouh, on a esquivé parfaitement le fait. Ouais exactement. Le Fabi. Oh là, attention. Derrière on trouve Nico voilà, qui arrive enfin à tuer. On est quand même monté à 150%, on a pris que 38% actuellement. Et là. C'est le moment où faut pas lâcher. Juste ta mère sale pute. Et là on trouve Nico qui n'est pas heureux de se prendre un jab au ledge et tout parce que oui c'est quand même des fois un peu galère à sortir. Et parce que même si même en SDI bon c'est assez douloureux. Ouais en fait faut bannir son bouclier et rouler derrière globalement pour punir mais c'est pas forcément faisable si t'es bien corner et tout c'est bien galère. Très compliqué. Ouais c'est ça. Et pendant ce temps on est quand même à 80%, ça commence à monter un petit peu la pression parce que à peu de choses près vraiment on peut trouver un kill. En plus on sort la Pyra et tout, on veut peut-être déjà conclure parce que si on trouve une ouverture, c'est free. C'est ouais. Fini en fait. Ouais, ça. Attention, voilà, ça sort beaucoup plus lentement, voilà, on saute au-dessus, c'est bien, on esquive, faut pas se faire avoir par tous les pièges de Paiutena. Et bam. C'est le bon backer, excellent backer. Excellent backer qui permet du coup à Nico d'égaliser le set count, donc vraiment...
Et oui, malgré toutes les souffrances, ouais, au final, il sort. Malgré la haine de Nico, il sera resté vaillant jusqu'à la fin et il aura vraiment mis une pression folle sur Pierre Amistra qui s'est conclu sur un backer extrêmement bien placé. Et sceller cette deuxième game et qui nous lance dans la game 3. Oui, c'est ça, déjà la game 3 et tout. Clairement, on repart en plus sur SBF et tout, bon terrain globalement pour les deux, hein. c'est toujours très agréable, des blazones très proches et tout, pour tuer très tôt. Et puis en plus, faut pas oublier qu'en plus Nico avait perdu en plus une stock en SD sur la game d'avant, donc vraiment... Il est revu très 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 long. Ouais, c'est ça, mais donc à ce niveau-là, ça change la game, quoi. C'est très game changer. Ah bon, bon. Ça prouve encore une fois que malgré son mental, c'est un très bon joueur. Oui. Et oui, en question de mental et tout, c'est sûr que oui, bon, il y a plus court toi. Il y a plus court toi. Mais bon. Oh là, c'était quoi? C'était une F-tilt? Ça, j'ai cligné des yeux. Il me semble que c'est une F-tilt, j'ai cligné des yeux également. C'est pas grave, en tout cas, on trouve déjà Pierre qui là, cherche à vraiment bien le corner et tout. On couvre les options, qu'est-ce qu'il va faire? Bam, dash attack qui a en plus. Quel armement dessus, tout voilà. Ce quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué de vraiment bien trouver un truc à punir derrière. Parce que... Hop là. Rognasse! On trouve Nico qui insulte la famille sur plusieurs générations de Pierre Amistra, qui n'est pas heureux de l'affronter. Ah bah, il y a plus agréable à l'affronter, mais il faut clairement le faire. C'est pas un personnage hype, c'est pas hype, c'est pas grand chose. C'est fort, hein, mais c'est pas agréable, c'est pas affronté ni à voir en fait. Je sais pas, je trouve ça pas horrible à voir. Oh là 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 là, là là, très bonne anticipation et tout, de l'air dodge et tout. Très bien placé qui du coup permet d'égaliser au niveau des stocks et tout. C'est bien. Attention, là on cherche. Oh là là, Nico qui commit pas trop, mais derrière il se prend quand même des smash et tout, parce que faut pas oublier qu'il faut sortir de cette situation. Il faut sortir de cette situation, mais c'est trop compliqué. On utilise les mêmes solutions. Globalement, on saute ou alors on ouvre un get up, mais il va falloir trouver autre chose. Voilà, c'était un excellent dashback après nous avait fait et tout jusqu'à présent. Nico, voilà, c'est ça. Ouais, terrible de se prendre le bip. Sur une mauvaise DI et tout, ça peut tuer très tôt. Surtout qu'en plus on est sur SBF et tout, donc c'est vraiment très compliqué là-dessus. C'est un peu la souffrance de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est assez horrible et tout. C'est bon. Le down trou et tout, upper, il fait... Ouais, mais là c'est là où Aku peut briller en faisant des dégâts au mental et tout. Bam, tu cherches à punir et tout, tac. Hop là, mais c'est pas fini, il y a de la défense, il y a du répondant. C'est ça, c'est comment c'est un peu difficile, j'ai l'impression, pour Nico, parce que s'il arrive toujours pas à trouver de kill et tout, il va chercher, c'est ça, bon neutre à l'air et tout, pour essayer de tuer. Et en plus il arrive à revenir malgré ça. Bam. Oh, parfait spot dodge. Exactement, spot dodge et tout, très bien placé, parce que sinon il risquait derrière de perdre et tout. Une deuxième fois, ouais, exactement, une deuxième fois dans ce match et tout. Ça fait ses preuves, hein, vraiment, c'est très bon là-dessus, parce que la Rico de... heureusement il a pas trouvé trop l'ouverture derrière, mais vraiment c'est salaud. Le forsight, ça pouvait être vraiment la game en fait. À peu de choses près, Nico, il renverserait totalement la situation. Il tue avec un spike là, vraiment, ça s'est passé à très peu de choses. Bam, down throw, bam, qui va permettre... Oh, on est patient et tout. Ah, il faut être plus patient que ça, mince. Faut être patient, pour l'instant ça fonctionne, ouais. Ça fonctionne du côté le down. Oh là là, c'est ça. Il faut pas trop commit, parce que c'est pas trop derrière, donc si tu tues pas, derrière tu peux te faire punir et largement tuer, donc qu'est-ce que tu fais tant que t'as pas trouvé de vraie ouverture. C'est terrible. Ah bah ici de toute façon là, ça se place tout de suite, hein, de deux côtés. Beaucoup plus pressé, beaucoup plus présent. Oh là là, 3% et tout, il y a la rage et tout, ça commence à être très très chaud. Et là, c'était là qui vient, c'est là. Nico qui a encore insulté Mistra. Pas à coup, pas à coup. Et tac, du coup, Nico qui. Donc on est toujours à 1. Et du coup, on est du coup sur score du J1, voilà, c'est ça. C'est 1 partout et c'est reparti. Non, 2-1. Et c'est reparti. C'était vraiment. La taille de ce S-Match et tout est incroyable, et ces pourcentages-là, ça tue. Ça tue, dans tous les cas. Des gens disent que Pierre Mistra, que Mistra ne tue pas, elle tue. Elle tue moins fort que Pyra. Voilà, c'est ça. Derrière, quand t'as un énorme camion, c'est sûr que tu vas pas faire les mêmes dégâts, quoi. Oh là là, et c'est terrible. Nico, là, ça a vraiment joué pas mal sur son mental et tout. Ça a beaucoup joué sur son mental maintenant. Là. C'est trop dossier. En même temps, ça devient dur. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est terrible, mais ça compte énormément.
tac, neutral air et tout. Nico qui veut se venger et tout. Il veut se venger, mais faut pas perdre de vue le fait que on est en game 3 et que tu peux pas trop te permettre de faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, parce que sur peu de choses près, vraiment, à deux stocks près, bah, il peut perdre le set là-dessus, quoi. Et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage de pas pouvoir revenir plus que ça. Surtout que bon, on se prend les toutes deux Arturo et tout, bam. C'est toujours très compliqué. Pour l'instant, une stock d'avance, plutôt even au pourcentage autrement. Ah non. Du coup, tu commences à prendre la. Exactement, là on a vraiment un bel avantage, mais ça va enfin tuer. Magnifique. On vient égaliser au niveau des stocks, mais là on a 85% qui ont été grattés. Et en plus, bah, c'est Mistra quoi, ça peut toujours gratter encore plus. Ça peut trouver les ouvertures. Bam, bien patient, très bien placé. C'était un backer, c'est envoyé comme ça et tout. Mais vraiment, c'était extrêmement bien positionné et tout. De trouver ça et tout. Attention, voilà, pas trop chercher à être. Oh là là, pas trop être greedy parce que derrière on peut trouver des phases, on peut se prendre des petites saloperies. Bam. Et déjà là, on a passé sur, instantanément sur Pyra, on sait qu'à 50-60%. Ouais, c'est ça, là ça commence à vraiment être hyper difficile. Attention, pas trop abuser du side B, même si c'est agréable. C'est un très bon neutral. C'est pas recommandé par le médecin de trop abuser. Et là vraiment, attention, c'est ça. Il a tenté le contre et tout au ledge, ça aurait été très bien placé parce que cette fois ça aurait tué, c'est sûr. Ouais, surtout qu'on s'attendait clairement à se manger. Clairement c'était faisable. Ou bien se prendre un side B. Il faudrait se prendre le side B qui aurait été renvoyé. Oui, voilà, c'est ça. Et se le reprendre derrière, bah c'est sûr que ça tue si c'est renvoyé et tout, c'est attention. Oh, le pari. Très bien réagi de la part de Nico, le fait qu'il a atterri sur la plateforme et pas sur le terrain. C'était vraiment quelque chose de pas forcément faisable et tout. Et là, on va toujours pas trouver un kill. Mais c'est pas possible ça, quand même, là, ces pourcentages-là, il faut tuer, quoi. C'est pas possible. Et bam, on cherche live throw. On se repositionne bien et tout, attention. Le petit match un peu trop greedy. Et là, Draco qui envoie directement dans la blaze. C'est ça, Nico il arrive toujours à égaliser des stocks, mais avec un gros retard. C'est vraiment à cause de cette stock perdue si vite au début. Mais c'est pas fini tant qu'il y a une stock, il y a de l'espoir. Il veut du sang. Il veut du sang là, Nico, vraiment. Et là, ça va tuer. 150% et tout, clairement. Très très bien trouvé ce petit B et tout qui tue. Parce que même si des fois ça tue pas si vite que ça, ça tue.